Salut, c'est le pour l'épisode 4 de notre aventure sur Pokémon Ruby Destiny Life of Guardian. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après du off sur cette petite route où des dresseurs ont soudainement décidé de popper. Hein, et on est, je pense que vous l'avez reconnu, devant cette mystérieuse femme. Du coup, je suis revenu pour savoir si on lui parlait, il se passait quelque chose. Donc c'est parti, dialogue. Oh, désolé, je ne t'avais pas remarqué. J'étais en train de me souvenir de quelque chose. Dans tous les cas, je suis sûr que tu ne serais pas intéressé parce que je pensais tout à l'heure. Je m'appelle Patty, et toi, quel est ton nom? Dragon. Sympa de te rencontrer. Et tu es peut-être un traîneur? Pourquoi est-ce qu'on ne se battrait pas? Ça pourrait être sympa. Ça, c'est musique, je ne la connaissais pas. Ok, quick attack. Donc j'ai entraîné Riolu jusqu'au niveau 15 et Salamèche l'a monté niveau 16, hein, j'ai oublié de le dire. C'est parti, elle a juste un petit Pikachu. Il m'a quand même paralysé. Ok, relâchement. Et normalement, on devrait passer avec le quick attack. Ah, elle a utilisé une potion. Ok. Ok, on va tenter le karaté shop. Ça marche pas, on switchera sur la mèche. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop, Pikachu encore une fois. Le karaté shop, ça a l'air de lui faire assez mal puisque je suis stabé avec mon type combat. Ok, éclair. Il m'a baissé ma défense tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va me changer. Encore une tail whip. Et Mimikyu. Hop, karaté shop. On est bon. On est bon. Hop, je passe mon Riolu. Niveau 16, ça c'est bien. Elle va envoyer un nouveau Pokémon. T'es pas trop en état de te battre. Je switch avec Charmander, qui va évoluer à la fin de ce combat. Ah bah voilà, de toute façon, c'était un petit combat de Charmander. Mais tout le monde a un Salamèche, j'ai l'impression. Hein. C'est quoi ce pays merde? Ok. Allez, on termine. Non, on va terminer avec Umber alors. Tiens, prends ça. Ah mais en fait là, vu qu'il m'a baissé mon attaque avec Griffe, c'est le seul truc que je peux lui mettre. Hein. Allez, on a bientôt terminé. Elle a plus de potions normalement, elle a utilisé les deux pour Pikachu. Allez, j'y crois. Et voilà, c'est bon. Il est terminé. 166 points d'XP et Charmander évolue en Charmeleon. Merde. Reptincelle. Oh putain, je paye pas mon souvenir. Et voilà, on a Charmeleon. Ah, c'était un combat incroyable. Je te remercie de t'être battu contre moi, Dragon. J'ai appris quelque chose de ce combat. D'accord. Bah, ça marche. À plus dans le bus. Et j'ai remarqué autre chose. Vous vous souvenez, près d'ici, il y avait une espèce de musée. Et j'avais dit que c'était un truc qu'on pourrait pas y aller maintenant. Mais en fait, on peut y aller maintenant. C'est la base des Rangers, j'ai l'impression. Cette région ne sont pas urbanisées du tout. Si, c'est notre base. Ok. Alors, bienvenue à leur base. Waouh. Moi, ce que je veux voir, c'est la meuf qui était censée prévenir. Tu n'es pas autorisé à aller là-bas. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et moi, je m'en souviens. Très bien. Ok. Donc, je suis jamais encore venu ici. Alors, donc je me suis fait tous les dresseurs, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on s'en tape encore un. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un objet qui pop en dessous à chaque fois que je passe, c'est vraiment bizarre. Riolu, hop, tu te casses. Donc aujourd'hui, on va capturer le Lixi. Le Lixi, je vous avais dit qu'on irait capturer un Lixi aujourd'hui. Le layout va beaucoup changer pendant l'épisode, hein, je vous préviens. Le Lixi, on va aller se capturer un petit Lixi des familles. J'irai l'entraîner en off et on ira se taper l'arène. Hop.
En général, les combats de dresseurs qui sont genre sur les routes et qui sont pas importants, je les ferai en off, comme je viens de le faire là. J'ai fait aussi ceux de la forêt, hein, je les ai tous faits. Mais voilà, donc du coup, les combats de dresseurs qui sont pas importants, je les ferai en off. Ah mais merde, mais je peux pas y aller, il y a lui là. Ah, elle me recherchait. Genre pour ne se battre ou pas? Ouais, pour se battre. Ouais, pour se battre cette fois-ci. Ouais, le jeu il a commencé là. Là j'ai une longue introduction, maintenant le jeu il a commencé. Ah, est-ce que à Rainbow City ils se sont calmés? C'est une bonne question. Le train Thunder Express, ah oui, à Rainbow City. Ok, c'est parti. Thunder Express va à Rainbow City. Mais je crois qu'il y a des skitty, il y a des lixi là-haut. Donc j'irai m'en chercher hein. Et puis j'irai l'entraîner. Ça va être très long. Mais bon, c'est le prix. Non, ça a pas bougé. Alors, le lixi. Je vais faire 3 essais. Si je le trouve pas, je le capturerai en off et je l'entraînerai en off. Lixi, montre-toi, Lixi, Lixi, montre-toi. Non, tu n'es pas un Lixi, toi. Toi, t'es un Pokémon de merde. Je veux un Lixi, moi. En vrai, Dracaufeu, Luxray, Lucario, pour le moment, c'est une putain de bonne équipe, hein. Rien ne m'arrête, hein, pour le moment. Hop, Quanton. Ok, pourquoi pas, mais non. Non, en termes de Pokémon typo, je sais pas encore qui je vais prendre. En vrai, j'hésite, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon typo dans le jeu. J'ai déjà vu que je pouvais avoir un Mustafloat. Bon, c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement, Mustafloat, donc je sais pas. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Bon, il apparaît pas, moi je vais me le chercher en off, et puis... je vais l'entraîner jusqu'où, à mon avis, niveau 10, 11 à peu près. Peut-être 12. Peut-être comme ça, je ferai l'arène, mais ce sera niveau 16. Bref, les amis, on se retrouve une fois que j'ai entraîné Lixi. Allez, à tout de suite. Bon, bah les gens, on se retrouve du coup avec le Skitty, comme vous pouvez le voir. Donc, nous sommes avec Flash, notre Skitty, qui est niveau 12. Je l'ai entraîné niveau 12, pensais qu'il allait apprendre une capacité de type électrique. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il n'a que il n'a que charge, mais ça, c'est rien du tout, charge, donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va essayer quand même de se faire l'arène, c'est pas un problème. On y va, let's go. Donc... on va là-bas, hop. Et du coup, on est obligé de se refaire l'arène à cause du directeur qui m'a volé mon symbole. Cette fois-ci, on fait la vraie arène. Ok, un canard WC. C'est parfait. Allez, on y croit. Wing attack. C'est pas grand-chose. Tu ne me fais pas mal. Un critical hit, ça veut dire que je ne lui mets absolument rien, c'est parfait, ça fait plaisir. À savoir... oh, ça va, je lui mets quand même assez cher. Je pense qu'une charge, ça devrait le faire encore. Ah non, pas encore. Dernière charge. Je m'en fous, je suis électrique, je m'en balèque. Tiens, connard. Victoire de Flash. Hop, bah merci, tu as du potentiel. Merci. Hop. Ne prends pas les gym trainers, les dresseurs dresseurs d'arène pour des merdes. Bah si, c'est totalement ce que je fais. Ok, Flash, tu vas encore leur pisser dessus, go. Hop. Et là, c'est juste un combat à coup de charge, hein, donc c'est pas non plus la meilleure vidéo du monde pour le moment, on va passer plutôt. Ta-na-na-na, toi, tu crèves, ça c'est bien. Il va normalement, il va en renvoyer un. Morsure, c'est très bien ça. Morsure, ça c'est bon. Hop, il envoie Pidgey. Par contre, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire morsure. Ah, critical hit, non, c'est bon en fait. Ah, un jet de sable, ça c'est pas cool.
Tu ressors ton Pokémon comme ça. C'est pas grave. Ou la one shot, c'est fini là. Ouais, il m'a one shot. Ok, c'est pas grave, Riolu. On va y aller doucement, Riolu. Faut vraiment vite que tu le dégages, lui. Hein. Parce que lui, s'il te fait confusion, t'es dans la merde, toi. Allez, on le dégage rapidement. Ok, très bien. J'ai de sable et il est mort. Yes, c'est bon. Ah, ok. Dresseur vaincu. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il donne pas assez d'argent, je trouve. Il ne donne pas assez d'argent. J'ai l'impression qu'on leur raquette leur goûter et pas leur fortune. Putain, il donne pas assez de thunes. Ça casse les couilles dans un monde où, genre, c'est 8000 la simple potion. Il donne pas assez d'argent. On va aller du coup se soigner nos Pokémon. Tranquillou. Bon, là, je doute qu'elle n'ait qu'un seul Pokémon. Hein. Si vous voulez mon avis, là, je pense qu'elle en a un peu plus que. Hein. Bienvenue dans son Pokémon. Oui, je suis un peu fatigué. Très bien, je vais prendre vos Pokémon. Merci. Au passage, oui, j'ai oublié de vous le dire, j'ai obtenu coupe dans la forêt avec le mec là qui parlait du truc coupe. Dans ta gueule. Donc, je vais tout de suite la prendre à quelqu'un. Hop, c'est ici. Coupe. Ah, mais non, c'est que lui qui peut la prendre. Non, je vais me prendre un C-esclave, c'est pas un problème ça. J'irai me prendre un C-esclave après. Un C-esclave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un esclave où tu lui mets toutes les CS quoi. Parce que t'as pas envie de prendre ton Pokémon pour ça. Donc, c'est parti, je vais sauvegarder un peu. Parce que je suis bien à 3 heures de jeu, j'aimerais pas perdre toute ma progression. Oh, c'est toi! Donc maintenant tu as un Pokédex! Quoi? Le symbole de la liberté a été confisqué? Ah, c'est dommage ça, donc je suppose que tu en veux un autre. Bon, pourquoi pas. Allez, on se bat! Mon Pokémon, il vient juste de skier. To the skis. D'accord. Ah, il y a un autre Pokémon, si ça marche. Le challenge est parti là. Putain, le piano qui est derrière il est fou. Et c'est parti. Oh là là, je lui mets que dalle, c'est insultant. On part sur une morsure là, on part sur une morsure après. Allez, c'est parti. Il nous fait reflet. Ça veut pas dire que tu vas esquiver plus facilement, crois-moi. Déjà, il utilise une potion, mais non! Mais il a combien de vie ce canard là? Ouf, ça picote ça picote. Donc, je vais switch, je vais passer sur Riolu. Il n'a pas intérêt à me faire une gust attack, sinon je suis dans la merde moi. Ok. Évidemment, là il augmente son esquive, karaté shop. Ah putain. De toute façon, non, c'est un Pokémon de type. Non, c'est un Pokémon de type. Ah! De type O, donc ça sert à rien. De type vol, donc ça sert à rien. Putain, il a augmenté son attaque, l'enflure! Ah, mais il continue! Non, je peux pas perdre de l'argent, j'ai pas le droit de perdre. Déjà que j'en ai pas beaucoup, si je me mettais en plus à perdre de l'argent, c'est n'importe quoi ce jeu. Il refait un reflet, putain. Allez, j'ai pas le droit de perdre. Allez! Putain, allez, j'ai encore une potion. Les gens sont riches dans ce jeu et en plus, à mon avis, je crois que c'est ça. En fait, les gens achètent des potions, ils se rendent pauvres et après ils te donnent leur fin de porte-monnaie. Toi, tu te retrouves avec que dalle du coup. Mais putain, tu casses les couilles. Mais non, mais putain, le critical hit de où il vient? Ah, mais merde, putain. Allez, on y va. J'ai pas le choix là. Oh là 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 là, je vais me faire rect, vous allez voir, je vais me faire rect. Allez, putain, j'ai une chance sur 18 de toucher là. Et là, il me fait un water gun. Allez. Putain de canard WC de merde. Allez, bordel. Mais tu sers à rien, Reptincelle. Putain.
Non mais là c'est mort. Là le combat il est mort là. Allez c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je l'accélère, c'est fini. Putain, j'ai perdu de l'argent, ça me casse les couilles. Putain, canard vesti de tarasse. Mais bordel de canard WC de merde! Putain! Elle m'a pris de l'argent, évidemment. Oh là 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 là. Bon, je vais entraîner Lixi jusqu'à ce qu'il ait une capacité électrique et puis on va lui casser la gueule à l'autre. Bon, alors. Il s'est passé pas mal de choses, comme vous le voyez, hein. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. En effet, il fallait que je n'enregistre pas. Donc, ça n'a pas enregistré. Yay! Donc, je vais pas refaire le chemin parce que il y a les Pokémon. Donc, nous étions allés à Silkwing Town, si vous vous souvenez bien. Et on avait j'ai affronté du coup notre adversaire. Et j'avais fait évoluer Flash en Luxio. Et après, tout le monde avait pris un niveau, je crois. Donc voilà, on l'avait réussi à le battre. Le combat était hyper intense. J'ai toujours pas appris l'attaque électrique. Mais voilà, le combat était hyper intense. C'était chaud. Mais on y est arrivé. On a le premier badge, comme vous le voyez. Et donc là, on est arrivé ici. Je me suis fait tous les dresseurs un par un parce que j'avais rien à faire de ma journée. Tac. Et puis surtout parce que j'avais dit au revoir aux gens, hein, surtout. Pour moi, c'était fini. Donc du coup, voilà, je suis arrivé ici à Ocean Chain City. Et là, il y avait du coup la deuxième arène qui est l'arène d'eau. Et il y a des putains de montagnards qui se baladent pour se battre contre toi alors que tu les attends pas, quoi. Super. Donc, c'était une bonne expérience. Le fait de venir là, ça a été très, 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 très long. Toi tu me fais un low kick, c'est bien, je suis bientôt mort. Hop. Hop, encore un low kick et je suis décédé, c'est bien. Hop. Oui parce que genre moi je viens de faire la route en fait, hein. On avait juste vidé le village puis on s'est arrêté. Mais là ça me semble un peu court comme épisode, donc je vais un petit peu allonger le truc. Je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Hop, tu m'envoies un Makuhita, hop. Quick attack. Encore un quick attack et on est bon. Allez, il fait puissance. Allez, on le fait. Il va faire évidemment une potion. Génial. Allez, putain. De toute façon, là, c'est bon. C'est fini pour lui. Non, il en remet une de potion. Génial. Allez, je... Ah, c'est peut-être pas fini pour lui, là. Ah non, c'est bon. C'est bon. Hop, le Riolu, il gagne. Et on est bon. Salut. Donc ouais, je vais pas trop explorer, alors je vais regarder un peu le village, tout ça. J'avais vu pas grand chose d'intéressant, et... Oh bah tiens, c'est quoi ça? Bah c'est quoi ça? What the fuck? Est-ce qu'on peut trouver des Pokémon de partout? Ouais. Ah, c'est des concours Pokémon d'eau. Ah, intéressant. Bon bah en tout cas les amis, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, même si ça aurait été un petit peu court, je suis désolé, j'ai fait pas mal de coupures. Dans le prochain épisode, je pense que je vais montrer tous niveau 20, je ferai les dresseurs qui sont là, vers là-bas. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 5 de notre aventure sur Pokémon Ruby Destiny, Life of Guardian. C'est bon, tout de suite. Allez, bye!